surnage, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Saint-Valentin. De toute façon, la Saint-Valentin, c'est une fête commerciale. Ou plutôt, de toutes les phrases pour draguer son panda. Un petit coup de parfum de bambou, un petit brossage de poils, et un tout petit peu de noir sur les yeux. Tada ! Et me voilà fin prête pour aller draguer mon panda. C'est parti. Ça te dirait qu'on mange un bout de bambou tous les deux ? Mais j'en mange déjà. À moins que tu m'emmènes dans le meilleur des restos. Je t'aime autant que j'aime dormir. Quoi ? Tu m'as dit quoi ? En admirant tes bourrelets, j'ai envie de rouler dans l'herbe toute la journée avec toi. Rouler dans l'herbe, rouler dans l'herbe. Tu es comme un zèbre, noir et blanc, en un peu plus gros. Est-ce que je suis noir avec du blanc ou blanc avec du noir? Pour toi, je me lèverai avant 14h du matin. Quelle heure il est? 14h du matin? Ben ça va, je me lève après toi. Hein. Je t'invite au ciné? Au programme. Kung Fu Panda? Trop bien, hein, trop cool. Toi et moi, si on faisait un bon bout de chemin ensemble? Pourquoi pas? Et je t'aime plus que le bambou. Eh bien, moi aussi je t'aime plus que le bambou. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées pour draguer votre panda ou quelqu'un d'autre. On sait jamais, sur un malentendu ça peut toujours marcher. J'espère que vous passerez une bonne Saint-Valentin en compagnie de votre chérie, de vos amis ou de votre animal de compagnie. Moi je suis sûre qu'avec Po ça va très bien se passer. Tout le bonheur pour vous, plein d'amour, d'amitié. Et voilà, moi j'aime bien les contre Saint-Valentin où on ne sort pas avec son chéri mais avec ses potes. Si t'as envie de le passer avec ton chéri et qu'il vous offre des roses et des cadeaux, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez pas vous offrir de cadeaux et que vous préférez sortir chacun de votre côté avec vos potes, vous pouvez le faire aussi. Voilà, moi je suis contre la discrimination des gens célibataires et des gens en couple. On préfère une fête des célibataires, genre le 15 février. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous êtes bien amusé en la regardant, que ça vous aura donné des idées. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Si tu as d'autres idées pour draguer ton panda, mets-les en commentaire. Et si ma chaîne te plaît en général, abonne-toi. Bye bye les petits pandas.